Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va nickel. On se retrouve du coup pour l'explication de la troisième étape, notre cher Golgoroth. Donc pour le lancer, hein, il faut simplement détruire la petite bouboule qui est là. Et pour ma part, c'est l'arrivée le plus beau de tous les boss jamais eu dans Destiny 2. Hein, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Donc là on va fonctionner sur deux équipes de 3, et dans l'équipe de 3 on a un petit binôme. Donc là ce sera Zykov et moi, on va prendre le regard. Donc pour commencer, les trinômes clean chacun de leur côté, on clean tout, et on se retrouve après ici à gauche. Pourquoi à gauche? Parce que le premier DPS se fera sous la boule, donc la même que vous voyez là, qui sera ici. Quand on la détruit, ça fera une flaque au sol, il faudra qu'on se mette dedans pour tirer dans le ventre du boss. La deuxième sera à gauche, puis à droite, puis à gauche, puis à droite, puis à gauche, puis à droite. D'où le fait qu'on commence de ce côté-là pour que le ventre soit orienté en direction de tous les joueurs. Donc la personne qui a pris le regard, donc elle tire dans son dos, elle a le regard de Golgoroth. Donc là il se met ici, tout le monde est devant en train de faire le DPS et on détruit les petites boules qui vont venir de son ventre. Sinon vous prenez du dégât et du poison. Arrivé à 5 secondes, nous on fonctionne comme ça, on annonce comme ça le deuxième qui prend le regard, donc la Zykov va déjà se mettre en place pour se préparer. Et les autres vont pré-shooter la boule pour gagner un max de temps de DPS. Après, une fois que ça c'est fait, ils vont tous ici. Zykov annoncera son décompte, donc il se sera mis en face. À 5 secondes, j'irai au bout pour me préparer à prendre le regard. Je me mettrai ici. De toute façon, on avance au fur et à mesure en même temps que les boules pour le coup. Et petite particularité, pendant les flaques, pendant le DPS, il y a une personne qui deviendra toute verte. Alors je me souviens plus du nom. Cette personne-là, en gros, est une bombe. Voilà, lumière instable, merci Alex. Cette personne-là est une bombe, donc nous ce qu'il fait, il va au pied du boss pour faire un peu de DPS supplémentaire sur le boss. S'il reste avec les autres, bah lui va rester en vie mais va tuer tout le monde. Au moins cette personne-là ne pourra pas se cacher et dire non, c'est pas vrai, c'est pas moi. Et pour les gens de mauvaise foi. Et après, bah, on recommence. Si le DPS, si on ne l'a pas tué, normalement il faut 2 tours à peu près, du moins pour nous. Si jamais vous ne faites pas les 6 boules, admettons que vous arrêtez à 5, donc là vous aurez un logo d'activé. Si vous arrêtez à 4, vous aurez 2 logos, et ainsi de suite. Oh, t'es beau. Et allez, donc là c'est parti, les deux trinômes, hop, des mobs tout. Donc là, moi c'est vrai que je ne clean pas beaucoup, étant donné que je vais être très peu au DPS. Je leur laisse hein, voilà, faire leur lourde, il n'y a que les petits mobs à là. Arriver derrière que pour éviter qu'ils les aient dans le dos. Tranquillou. Si. Si, on les kiffera toujours, elles seront moins performantes, c'est tout. Donc la Zykov, hop, va prendre le regard, va se mettre en place à l'opposé. Allez tout le monde, allez-y. Regard pris. Et là, voilà les petites boules. Et moi mon timer, donc le regard de Golgoroth, 15 secondes. Allez, 10. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Donc la Zykov. Donc Zykov s'est foiré, échec. Ah non, échec du défi. Non, oui, tu l'as pris tout juste. Ouais, c'est le défi à Golgoroth. Hop. Donc là voilà, on se met là pour bien qu'il soit tourné vers tout le monde. Ça complète. Tiens, j'ai pas annoncé le défi. 6, 5. 4, 3, 2, 1, 0. Le défi au prêtre, c'est simple, quand vous prenez la boule corrompue, vous avez 3 secondes pour récupérer la boule au niveau des joueurs en bas. Et à Golgo, donc c'est simple, faut toujours que... Interdiction de prendre 2 fois le regard. Tout le monde doit tourner. Ah oui, putain, exact. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Donc là, hop, vous voyez, c'est la fin du décompte pour moi. Donc hop, dernière plaque, je joue DPS pour filer un petit coup de main. Et oui, exact, donc ce que je vous annonçais, donc c'est le triomphe où tout le monde doit prendre le regard. Le défi, hein, donc notamment si vous voulez le faire en hard pour avoir les armes, dommage. C'est au moment où la personne, donc Lazikov, va prendre le regard, moi il faut que je sois dans la flaque. Et au moment où je vais prendre le regard, il faut que Zikov soit dans la flaque. Voilà, ça c'est le défi pour le coup, pour avoir l'arme en experte. Et le coffre en plus lors des défis. Bref. Ça peut faire une arme rouge, et puis quand t'es en début de saison, ça peut te permettre de monter justement. T'as fait une arme en plus. Mais c'est vrai que comme là, toi. Là, on n'a pas besoin, par exemple, on s'en fout, on est tous montés. Bon, je l'aime pas trop, ce lance-patate. Allez, sort. Boum. Ouais. Allez, go. Hop. Allez les gars, allez les gars, j'annonce pas vous démerder. Et voilà. Tranquillou. Sur ce, bah, bonne game à tous. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.